faut positiver maintenant les choses. Il faut que l'image que nous montrons désormais, que ça ne soit plus cette image d'un Nord qui vous, dans les violences, un Nord qui vous, où les balles sifflent à tout moment, un Nord qui vous. Non, ce n'est plus ce Nord qui vous là. Le Nord qui vous, les balles ont sifflé. Le Nord qui vous, il y a eu des violences. C'est un Nord qui vous qui a existé il y a quand même quelques temps. Mais maintenant, on est en train petit à petit de sortir de ça. Mais nous, nous sommes encore en guerre, puisqu'il y a toujours des affrontements. Des affrontements tout autour de la ville, des affrontements à l'intérieur. Et là, c'est un problème très sérieux. On a choisi la RDC en fonction de, peut-être du manque de connaissance de la situation de celles et de ceux qui protègent les femmes victimes de viol. Nous sommes épiés. Notre travail quotidien par le pouvoir, il y a des dispositions qui sont prises pour étouffer de certaines actions que nous comptons mener, si surtout ces actions tendent à dénoncer le comportement du pouvoir. Nous sommes en train de travailler dans ce climat d'insécurité. Lorsqu'il faut agir, le pouvoir n'hésite pas pour étouffer les actions qu'on cherche à mener. Hein. J'aimerais que les gens comprennent qu'il y a ici des problèmes gravissimes, que finalement la guerre qu'il y a eu dans ce pays est le conflit qui a fait le plus de victimes après la Deuxième Guerre mondiale et qu'il faut cesser avec l'indifférence avec laquelle nous avons assisté à tout cela. La violence sexuelle a dépassé les bords. Pendant qu'elle s'est cachée dans un champ, elle était avec son bébé ici. Trois militaires l'ont trouvée là-bas et l'ont violée. En somme, cette question de violence sexuelle, ça fait couler beaucoup d'encre. Il faut avouer que c'est une culture nouvelle dans la province et pratiquement dans le pays. On les avait rencontrés quand pendant la guerre. Après, on l'avait muselé le bouche, les lèvres, pour qu'elle ne puisse plus crier à haute voix. Et maintenant, après ça, 4 hommes l'ont violé. 4 hommes l'avaient violé. Ero molto toccato e anche molto triste e scioccato poter parlare con le vittime stesse che ti raccontano delle cose che noi quasi non ci possiamo immaginare, di torture, di stupro, è una cosa talmente crudele che è incredibile e bisogna proprio fare qualche cosa. Lorsqu'on m'a violée, je suis devenue enceinte suite à ces viols-là. Et quand je suis arrivée à Jason, on a pris soin de moi jusqu'à la grossesse soit à terme et même jusqu'à l'accouchement. J'avais accouché par césarienne. Après une année, l'enfant était tout le temps malade. L'enfant est décédé une année après. Sa fille. Une femme appartient à un homme. Quand il y a un autre homme, donc la valeur de la femme tombe directement. Et ça fait finalement que le fait que la femme a été violée, d'abord c'est difficile. Que la femme puisse réintégrer sa maison. Et au niveau de votre... Tout le monde a honte de vous.
Le mari d'ailleurs ne va pas vous accepter. Les enfants eux-mêmes, on commence à les pointer des doigts. Donc vous voyez que c'est une société. Et l'enfant se révolte maintenant, ils vont n'importe où. Or, c'est la maman qui les prenait en charge, ça devient tout un problème. Elles sont seules, elles sont exclues de leur environnement familial et communautaire. Et c'est seulement grâce à l'engagement d'organisations non gouvernementales qu'il est possible de les assister ou d'assister quelques-unes de ces malheureuses victimes. Le problème, moi, que j'ai, je n'avais pas connu mes agresseurs. Ils étaient en tenue militaire, je crois que c'était des militaires, mais je ne les avais pas connus. Et pour cela, je n'avais pas porté plainte. Comme il n'y a pas de réponse efficace à la fois des autorités policières, de la justice, les viols donc sont devenus un peu banalisés, c'est-à-dire ce ne sont pas que l'œuvre de militaires maintenant, c'est devenu même l'œuvre des civils, qui, puisque les femmes, il n'y a pas une répression forte contre les auteurs et les gens s'amusent maintenant à violer les femmes. Lorsque tu es hautement gradé, lorsque tu as un poste supérieur, lorsque tu as l'argent, donc la justice n'existe pas pour toi. Quand le dossier arrive là au tribunal, ce sont, en un moindre de temps, on peut faire disparaître le dossier parce que le riche a donné quelque chose de grand pour motiver le juge. Et là, le dossier peut disparaître dans un laps de temps. Les défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé des crimes internationaux commis contre des populations. Et ils ont été surpris de trouver que ce sont les mêmes auteurs qui sont encore revenus sur les lieux où ils ont commis des crimes. Et les gens qui ont ouvert la bouche ont peur pour leur sécurité. Nous qui sommes à Kinshasa, défenseurs des droits de l'homme, ça va encore. Mais ceux qui sont en province, c'est pire parce que là-bas, tout peut arriver. Lorsqu'il y a la justice internationale qui veut punir ces auteurs, il y a le gouvernement qui ne coopère pas au nom de la paix. Et là, nous qui sommes ici, nous nous demandons ce qu'est la paix. Ce qui est aussi choquant, c'est l'absence de l'État. C'est une classe politique totalement incapable, corrompue, qui s'enrichit sur le dos de ce pauvre peuple. Je dois dire que ça, c'est absolument choquant. Ma io devo dire che sono piuttosto pessimista per la situazione e anche sta aumentando questo stupro delle donne, soprattutto da parte dei militari, ma anche civili. Questo mi fa paura, sono pessimista. On constate qu'il y a toujours augmentation des viols. Puisqu'en parlant seulement des statistiques pour l'année 2009, les cas qui se sont présentés dans les structures de santé, et là j'insiste sur les cas qui se sont présentés, puisque d'autres femmes sont restées inaccessibles. On parle de 16 814 cas de violences sexuelles pour la province du Nord-Kivu. Nous ne comprenons pas lorsqu'on dit au nom de la paix, on ne doit pas punir certaines personnes. Là, vraiment, c'est un problème sérieux pour nous.